Hello, hello! Oula! Avec un peu de retard, on est là, tranquillou. Donc là, pour le coup, je suis tout seul pour ce Shuffle Talk. Je vais tester un peu le son pour voir le retour du son. Je suis tout seul, donc je peux mettre le son assez bas de mon côté. Après, si c'est. Je vais mettre une playlist plutôt. Free, sans se faire straquer par Twitch là. Ou. YouTube, pardon. Alors, musique free, mes couilles là. Free, je vais mettre Twitch. Allez. Est-ce que c'est free sur Twitch? Est-ce que ça l'est aussi sur la tube? Allez, il y a un truc de... On est pas mal là. Je monte un peu le son. Ok, bienvenue à tous pour le Shuffle and Talk solo. Totalement solo. Alors, je vais refaire un test, désolé. 1, 2, 3. Voilà, on m'entend de côté, donc c'est parfait. Est-ce que je vais prendre mon casque? Allez, je vais chercher mon casque vite fait. Ok. Alors, je vais peut-être revoir un truc au niveau de la scène. Je vais agrandir ça. Bam. Ok.
que ça encadre ma tête de con. Je crois que c'est bon. Transition effectuée. En tout cas, voilà, voilà. Bienvenue pour le Shuffle Talk solo. Aline n'a pas eu le temps de venir. Il n'y a pas eu d'invité aujourd'hui. J'ai pas assez trop poussé parce que je pense qu'il faut laisser un peu de battement pour ceux qui veulent tout simplement y participer. Il ne faut pas que ce soit un rendez-vous, on va dire, obligatoire pour ceux qui le... Voilà, on est toujours dans le plaisir de partage, etc. Pour nous, pour moi et Ali, c'est surtout la constance. Après, quand on peut pas, on peut vraiment pas. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'être dans le plaisir, dans la distribution, dans l'affect et surtout dans le fait de faire. Alors, je vais tout simplement commencer à faire ma petite propagande avec mon téléphone. Sur mon compte privé, j'entends. Mon compte privé, hein. C'est parti. Allez. Petite propagande. Ah, on va retirer ça quand même. Petite propagande sur le stream de Ali. Je joue pas. C'est parti pour le Chef and Talk. Avec du très très lourd. Du bon goût. Et puis voilà quoi, on s'en bat les couilles. Allez. Alors. C'est parti. C'est bien. Je suis content. Alors là, c'est vraiment en mode tranquille. Ali n'est pas là. Mais je vais essayer de faire en sorte de vous intéresser et de vous apporter quelques jeux. Ça va être une session, je pense, assez courte. On va se faire une petite heure tranquillou sur certains jeux. Et je pense que je reprendrai ces jeux pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que le Shuffle and Talk? Je vais tout simplement enlever ça. Voilà. Qu'est-ce que le Shuffle and Talk, hein? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Shuffle and Talk, c'est un principe assez simple. C'est une émission assez simple. Où on a mis dans une liste différents jeux. Et du coup, en fait, on va en tirer à chaque fois un au sort. Le jeu tiré au sort va être en fait, on va parler de ce jeu, on va discuter de ce que c'est que ce jeu, on va parler de tout un tas d'anecdotes autour du jeu. On n'est pas obligé forcément de parler du jeu, on va dire à proprement parler, mais des fois les jeux en question viennent avec tout un tas de souvenirs. Vous savez ? Voilà, de souvenirs bien précis. Du coup, on va pas trop, on va essayer d'être assez tranquille et de continuer à tout simplement rester dans le plaisir et parler d'anecdotes, parler de conneries, parler de souvenirs. Bon, voilà, je vais le faire seul tout. C'est pas très grave. Je l'ai déjà fait auparavant. Voilà, tranquillou quoi. On va se lancer. J'ai quelques jeux à vous présenter. Je pense qu'il y a certains jeux que vous connaissez pas, d'autres que vous connaissez. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Vas-y, let's go. Voilà quoi, tranquille, on se met à l'aise quoi. On se met à l'aise, on se prend la tête. Alors, je vais lancer la petite... juste retester pour voir le son. Est-ce que le son est pas trop fort? Non, c'est pas mal. J'aime bien le petit fond là, le petit fond est vraiment sympa. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. On va rester comme ça, tranquillou. Petit son tranquillou les amis. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence le game. Alors, je vous ai pas donné les jeux que j'ai pris. Sinon, c'est pas marrant. C'est parti. Alors, j'affiche le premier jeu. Ah. Sin and Punishment. Alors, je voulais préciser le Sin and Punishment 2. Alors, Sin and Punishment 2, c'est le jeu qui est sorti effectivement... Je reviens. C'est le jeu qui est sorti sur Wii en 2010. Alors, je vais retrouver ça. C'est fait par la société Treasure. En fait, c'est un shoot'em up qui est juste fantastique dans la lignée de ce que sait faire ce studio-là. Le jeu, en fait, quand je l'ai connu, c'était vraiment l'année 2010. Pour info, c'est l'année dorée de la Wii, c'est l'année de rien. Je pense que c'est la meilleure année de la Wii. On a eu des bangers incroyables, Muramasa,
Sin Punishment, Mario Galaxy 2, enfin c'est une année de malade. Hein. Même il y avait un Silent Hill qui était vraiment pas dégueulasse sur Wii, hein, malgré que c'était la Wii 480p, 10 FPS, on connaît. Mais malgré tout, le jeu était fantastique. C'était une année fantastique. Alors je vais vous montrer vite fait ce jeu-là. C'est un jeu qui est vraiment sympa. En fait, on incarne soit un mec ou une meuf. Et en fait, on a tout un système de jeu. Tout un mécanique de jeu où en fait on dans un scrolling horizontal, en fait ça c'est un shoot, hein, c'est un shoot'em up, mais qui est dans la pure traduction de ce qu'ils savent faire, et en plus de ça, ils ont ajouté tout un tas de mécaniques. En fait, ce jeu me rappelle une chose, je veux pas trop parler de ce jeu parce que je vous conseille vraiment de le faire. J'espère qu'il ressortira un de ces quatre en. Pardon. J'espère qu'il ressortira un de ces quatre en démat, quoi. J'espère qu'il va ressortir un de ces quatre en démat parce qu'il était vraiment ouf. La Société Treasure, c'est ceux qui ont fait Guardian Heroes, c'est ceux qui ont fait Raiden Silvergun. J'aurais dû ajouter dans ces. J'aurais dû finalement ajouter tous les jeux qui ont fait cette boîte parce qu'ils ont. À part les jeux sur commande, ils ont vraiment fait des bangers incroyables. Ils ont fait vraiment des bangers incroyables. Et celui-ci, il est sorti en fait un peu vers la fin de la Wii. C'était vraiment le bourdonneur de la Wii. Et le jeu est vraiment fantastique. Il est ressorti après sur Wii U. Je l'ai racheté sur Wii U. La console qui est juste ici, là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'à la Wii U. Je l'ai rebranché. Elle marche. Là, celle-ci, là. Voilà. Je l'ai racheté. Enfin, je l'ai racheté. Je l'ai rallumé. Elle fonctionne. Et en fait, j'avais acheté aussi dessus ben, ce jeu-là. En fait, ce qui me rendait fou avec ce jeu, c'est qu'en fait, c'est qu'il arrivait beaucoup trop tard et en plus sur la mauvaise plateforme. On voit en fait, au moment où j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, le 480p c'était juste impossible d'encaisser le truc quoi. On voyait rien, c'était trop flou. Mais après un petit temps, on voit les choses et en fait le jeu a un rendu fantastique. D'ailleurs, pour ceux qui ont un PC convenable, je pense qu'en mettant en 2023, émuler la Wii, c'est pas compliqué parce que la Wii, entre nous, c'est une GameCube, hein, recarrossée. Et du coup, en fait, je pense que là, pour ceux qui ont un PC qui peuvent l'émuler, bien sûr, l'acheter à côté, vous allez retrouver un jeu dans la lignée de ce que sait faire Treasure. Alors, Treasure, je vais juste montrer le logo de cette boîte-là. Je vais mettre Treasure Inc. J'espère que je vais. Logo. J'espère que je vais l'avoir. Ah, voilà, c'est ça. Ils ont eu plusieurs logos. L'un de leurs derniers, c'est celui-là. Ils ont vraiment fait du bon boulot quoi. En fait, on peut aussi dériver sur cette boîte-là qui est vraiment extraordinaire en fait. Hein. Ils ont fait un jeu qui s'appelle. Je vais parler de Guardian. Tant pis, je vais parler aussi de Guardian Heroes qui était fantastique. Guardian Heroes qu'on avait découvert pareil par hasard avec Ali. On était au magasin, on était à République. On tombe sur ce banger incroyable. Voilà, là. Putain, le loud screen de la Saturne. Putain, c'était un délire quoi. Et en fait, on tombe sur ce jeu de Treasures, qui était juste fantastique. En fait, c'est pareil, c'est un beat'em all. Là, c'est un beat'em all qui fait penser un peu à où en fait il y a une composante RPG. Et ce qui était fou par rapport à l'époque, c'est que le jeu était quand même vachement joli quoi. C'était vachement un jeu joli. Je crois que j'en ai déjà fait part en fait dans un autre live. C'est vraiment un banger quoi. Il y avait différents persos avec différentes tactiques, enfin différentes capacités, etc. Et il y avait le jeu était très présent, très, très plaisant à jouer en fait. Hein. Ça faisait partie de ces jeux en fait où en fait Treasure en fait au-delà de l'expérience, en fait ils y ajoutent toujours une secrète sauce en termes de mécanique, un peu comme Nintendo en fait le fait. Et du coup, en fait, même si leur jeu en fait reste confidentiel entre guillemets, bah, il reste intemporel. Voilà, c'est vraiment, c'est la chose que je veux dire, c'est que c'est leur jeu à eux reste vraiment intemporel. Quelle année? Si on revient à Sin Punishment, quelle année pour ce jeu? Quelle année pour la Wii? C'était vraiment une dinguerie ce jeu quoi. Je l'ai torché comme pas possible. D'ailleurs, la version Wii avait un packaging assez sympathique. C'est qu'en fait, on pouvait retourner le paquet. On pouvait retourner tout simplement, pardon. J'ai vu un truc, j'ai vu une dinguerie de ma part. Alors,
Hop là, voilà. Alors on pouvait retourner tout simplement le packaging, hein, enfin la couverture de la boîte. Et en fait, on avait un magnifique artwork qui était fait. Je sais pas qui l'a fait. Je sais pas c'est quel est le nom de l'illustrateur chez eux. Mais l'artwork est magnifique. Et en fait, j'ai fait l'erreur de donner ce jeu. Je crois l'avoir donné, je l'ai gardé ou je l'ai donné, je sais plus. Il faudrait que je cherche dans mes affaires, peut-être que je l'ai encore, mais je regarde des yeux là, je le vois pas dans ma collection, je le vois pas. J'ai dû le donner, putain, comme un clochard. Je suis vraiment un clochard. Alors ce jeu-là est vraiment fantastique, je l'ai racheté sur Wii U, parce que voilà quoi, c'est voilà. J'espère qu'il ressortira sur Switch, peut-être, hein, faut voir avec Treasure, je sais pas c'est quoi les endroits, etc. Donc, mais sinon, si vous le voulez vraiment y jouer, jouez-y sur émulateur, c'est vraiment un putain de jeu, une très très bonne découverte. Et puis voilà quoi, franchement, allez-y, let's go quoi. Bon, je pense que c'est tout pour ce jeu-là. Je vais passer au jeu suivant. Sinnoh Punishment, sorti sur Wii et sur Wii U. Je le vous conseille vraiment, c'est vraiment un banger incroyable. Alors, next up. Je vais tout simplement faire un truc. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je vais retirer. Je vous garde la surprise quand même. Alors, tac. Ah, attends, je vais en ajouter un autre. Je vais ajouter un autre. Parce que celui-là. Non, allez, plutôt. Attends, allez. Je vais mettre celui-là. Allez. Je vais mettre celui-là, je prendrai. Et puis merde, j'ajoute les deux. Nique sa race. Ça va être rapide. C'est des sessions assez rapides. Donc voilà, j'ai ajouté. Hop, tac. C'est parti, shuffle and talk. Alors, next up, 1080 degrés snowboarding. 1080 degrés snowboarding. Alors, pour moi, ce jeu-là, je vais le mettre tout simplement. Alors, je vais le mettre ici. C'est un jeu qui est sorti sur 64. Je parle pas de la version. Je crois qu'il y avait une version GameCube qui était éclatée au sol. C'était vraiment la désillusion parce qu'il y avait, il y avait, on, la team avait disparu. Et dans mes souvenirs à moi, j'avais rarement pris une claque aussi immense en termes de sensation qu'avec 1080 degrés. Alors, en fait, le jeu se voulait assez. En fait, dans mes souvenirs, c'était ultra beau, c'était trop bien fait. La poudreuse, les effets de neige, etc. Ça me rappelait, c'était vraiment trop bien fait. Pour moi, c'était le. Je me disais même à l'époque, comme à chaque fois, comme dans pas mal de jeux, je me disais, putain, je crois qu'ils vont jamais faire mieux. Hein. Comme d'hab, à chaque fois qu'on joue à un jeu comme ça, je me dis, putain, mais je crois qu'ils vont jamais faire mieux. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils font mieux quoi. C'est vraiment fantastique quoi. Non, le jeu est vraiment très très cool. Et franchement, ça rappelle des bons souvenirs quoi, de voir ce jeu. J'ai pas de souvenir particulier en fait concernant le gameplay, etc. etc. Je vais pas vous inventer une vie. J'y ai pas retouché depuis, dès que j'étais petit quoi. On y a joué, on était petit. J'avais un souvenir qui était d'un jeu qui était vachement réaliste, avec l'effet de poudreuse incroyable. Et ça me rappelle vraiment la fin de la GameCube quoi. La fin de la 64. Où j'essayais en fait, c'était mes derniers bourreaux d'honneur, mes derniers jeux de barreaux d'honneur. Où j'essayais de faire retenir mes potes. De pas aller sur PlayStation. Bon, après, j'ai fini par rejoindre la PlayStation, comme vous le savez, comme je l'ai déjà répété maintes et maintes fois dans d'autres streams. Et non, c'était vraiment fantastique hein, d'avoir ce jeu, de sentir ce. Il y avait vraiment un réalisme de ouf hein, pour moi. Hein. Là, t'avais le sentiment d'être sur de la glace, et du coup, tu sentais vraiment le. Non, c'était vraiment ouf. Hein. Il y a ce jeu-là, et j'avoue qu'il y a un autre jeu qui m'avait choqué à l'époque, à sa sortie. Et je pense qu'on a, moi et Ali aussi, on avait été choqués. Parce que souvent, en fait, on découvrait les jeux en même temps. C'était, comment ça s'appelle, 1080 degrés snowboarding. Le jeu nous a rendu ouf, quoi. On était là, on faisait, ouais, mais c'est un truc de ouf. Ce jeu est vraiment fantastique, toi. Et en fait, ce qui nous rendait ouf,
Il y avait un détail à la con, je pense, qui est passé en fait un peu par-dessus pas mal de monde. C'est qu'en fait, dans SSX, lorsqu'on retombait, on avait la musique qui se coupait, ou qui se mettait un peu en mute, ou qui s'abaissait gravement, avant de revenir, bam! À chaque impact, lorsqu'on faisait une technique, ou un tricks, lorsqu'on faisait un tricks avec dans SSX. Et c'était un effet qui était vachement. C'est savoureux, quoi. Ça faisait partie des mécaniques et les mecs, je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, mais c'était vraiment très très bien vu de leur part, quoi. Parce qu'on avait l'impression vraiment de prendre l'aspiration, la musique qui s'éteignait un peu, et bim! Ça repartit par un tour, quoi. Dommage que d'ailleurs, qu'ils aient pas fait comme Lumines, ou les jeux de Mizuguchi, ceux qui a fait Lumines, Space Channel, etc., etc., Rez, etc. C'était de plus marier encore le jeu avec la musique. Ça, c'est un truc. Hein, et je pense que c'est pas évident, bien sûr. Hein, mais ça aurait pu en fait encore plus marquer la légende de SSX. Et ça aurait été fantastique. Hein. Voilà. Voilà, j'ai pas beaucoup de souvenirs de 1080 degrés, mais je voulais absolument le mettre parce que c'était un jeu qui m'avait vraiment choqué. Parce que je me semblais. À l'époque, il me semblait trop, mais trop, trop réaliste. Alors, on va passer sur autre chose. Hein. Alors. Paf. Alors, je suis juste en train de refaire un truc là. Tac. Alors, hop. Je fais hop. Allez, je pense que c'est le dernier truc, c'est bon. Je pense que ça peut être convenable, on va dire. Ouais, allez. Alors, c'est parti pour une autre chose. Je vais tout simplement refaire le Shuffle and Talk toujours. Voilà, ça va être une session assez rapide, hein, on va pas se prendre la tête. Tranquillou bilou. Alors, tac. J'avais regardé. Je viens de voir dans mes historiques, j'avais vu le test de Chechenet sur Starfield. Ah ouais. Les gars, c'est vraiment les jeux scam quand même. Hein. C'est les jeux, les mecs, ils ont fait le jeu sur commande. Il a pas pris 5 ans pour faire, c'est sûr. Voilà quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, 1080 degrés. On l'enlève. Ah, mais j'avais mis Guardian Heroes en plus. Je me suis spoilé tout seul, j'avais mis, je le retire. Hein. Ouais, je le retire, allez. Ça sert à rien de le garder deux fois le même jeu. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, allez, on va mettre celui-là. Hop. Hop. Railroad. Railroad, c'est en fait Fatal Fury. C'est Fatal Fury Rollabout. Alors, ce jeu-là, je vais vous le mettre de suite. Là, j'ai laissé tourner. Ah. Ouais, bon, si je prends. Je m'ai formé sur le gère pas ça. Alors, Fatal Fury Rollabout. En fait, ce jeu-là. En fait, il faut comprendre que pendant de longues années, ce jeu-là, en fait, je. Alors, j'ai eu un message. Hop, je m'en fous. Alors, Fatal Fury Railbot, c'est un jeu qui est sorti sur Neo Geo et sorti après un peu partout. En fait, ce jeu-là, Fatal Fury, j'ai. Mon histoire avec Fatal Fury, c'est que j'ai toujours kiffé Fatal Fury, mais j'ai jamais su y jouer. J'ai jamais su vraiment y jouer, en fait. On va dire avant très récemment, quand je me suis vraiment penché sur le système de combat, sur les règles du jeu, etc. Je savais vaguement jouer à ce jeu-là.
Et en fait, la claque et la désillusion et le temps perdu que j'ai eu quand je suis allé sur un site qui s'appelait Neo Geo Fan, je sais plus quoi, Neo Geo Real Boat là. Neo Geo Fan, je crois, un truc comme ça. Je regardais. Oh bah c'est ça. Putain, truc de ouf. Et en fait, ces mecs-là, je crois, dans leur, sur leur site, ils faisaient un test. Ils faisaient des tests en fait sur les différents jeux et t'apprenais en fait simplement comment tel ou tel jeu jouait, etc. Bon, il y avait ça, je vais chercher Real Boot. Je crois que c'était eux. Hein. Est-ce qu'ils l'ont mis dans R directement? Ouais, s'il te plaît, R. Ah non, il a pas mis. Oh, je suis un bigleux moi. 3 spéciales. Ah merde. Je trouve que c'est bien eu, hein. Non, c'est bien eu, ouais, c'était bien eu. Et en fait, ce qui me faisait délirer, c'est que. Ils t'apprenaient vraiment. Non, c'était pas eux, merde, c'est pas eux. En fait, il y a des mecs qui expliquaient vraiment comment ça jouait. Comment. Le système de combat. Je crois que c'est ça, en fait, hein. Ouais, c'est pas mal, ok. Alors, en fait, j'ai su y jouer que très récemment à ce jeu-là, via les sites de type. Ce type-là, ce genre de jeu, ce genre de site de fans. Et en fait, le jeu. Moi, ce qui m'a plu par rapport à la version, aux autres versions spéciales, ou le 3, ou le 2, etc., c'est que je trouve le jeu super joli. Je trouve le jeu super joli, super coloré, etc. Et d'ailleurs, je l'ai acheté en vrai sur Neo Geo. Parce que la boîte, elle est faite par un de mes gars sûrs qui fait les boîtes de Neo Geo, là, qui fait les illustrations de Neo Geo. Je les trouve magnifiques, hein, que ce soit King of Fighters. Là, il est passé chez Capcom, le mec. Mais il a fait l'illustration pour King of Fighters, il a fait l'illustration pour Pain, pour tous les SNK, il a fait pour SNK. Et il continue d'en faire encore pour Capcom, en fait. Jusqu'à récemment, il en faisait encore pour Capcom. Et c'est vraiment des putains d'illustrations. Et en fait, ce qui m'a plu dans Real Bout, c'est tout simplement le fait que j'avais appris à jouer en. C'était il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Je me suis enfin penché sur comment jouer à Real Bout. Je vais voir quoi. Oh, je vais voir si c'était en français. Je cherche, hein. Alors, Real Bout. Je sais plus. Je me rappelle plus. Il y avait un site, c'était vraiment un site. C'est Planet, c'est pas Planet. C'était un site de fans de Neo Geo. Ah, c'était de ça, Noah Cardia, peut-être. Ah, c'est ça. Je crois que c'est ça, mais c'était encore plus détaillé. Ah, je retrouverai jamais le site. C'est un site comme ça, un peu de fans de trucs, et il te montrait clairement comment ça jouait. Il expliquait qu'il fallait mettre. Tu pouvais enchaîner les 3 boutons pour taper. Je crois que c'est peut-être ce test-là. Et en fait, il expliquait clairement comment jouer en fait. Du coup, moi j'ai fait putain, mais merde quoi. Depuis des années. De toute façon, j'ai toujours joué en mode casu à des jeux de combat. Très casu. Je savais faire les techniques, je savais faire les exécutions. Mais j'ai jamais cherché vraiment à me plonger dans le système de combat. À part récemment. Voilà. C'est très récent. Sinon, j'ai toujours un peu survolé les jeux de combat. Et voilà, je me suis tenu à ça en fait. Ça me convenait. Même si je regrette un peu. De pas avoir été à fond, à fond, à fond. Et surtout que le jeu est vraiment magnifique, hein. Je vais le remettre là. Le rendu du jeu, je sais pas si je peux mettre en. Ah, il est en 80, 1080, 380, 360p. Ouais, bon, c'est le maximum apparemment sur cette vidéo, hein, du moins. Et le jeu est vraiment magnifique, hein. Faut le voir pour le croire. Pour ceux qui sont curieux, en fait, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est qu'on peut se mettre sous différents plans. Bon, je vais pas vous réexpliquer ce que c'est que Fatal Fury, mais ça me rappelle vraiment un jeu ça m'a frappé parce qu'en fait, je saute de mes idées s'enchaînent, mais c'est pas grave. Mais c'est le truc, c'est que j'ai vraiment kiffé ce jeu parce que j'ai vraiment appris. Là, j'ai vraiment appris à jouer au jeu que récemment, quoi. C'est-à-dire que j'ai compris que. Dans Fatal Fury, dans ce jeu-là, on pouvait enchaîner les boutons pour faire des enchaînements de coups simples. Des neutrals, comme on dit. Des neutrals. T'appuies sur les boutons et ça fait coup de pied, coup de pied, coup de poing, coup de pied. Et ça te fait un enchaînement. Tu pouvais en fait faire des counters pour ceux qui, quand le perso. Enfin,
quand le perso se déplace sur le côté du stage de la Comla. Mais en fait, tout ça, je l'ai compris en fait enfin en y jouant. Et il y avait la possibilité aussi de faire dégager le perso, de faire un ring out des persos à force de taper le décor. Voilà, comme ici. Et là, bam, par moment, t'avais le perso qui se retrouvait en dehors du ring. Et ça, c'était fantastique. Ce truc-là, en fait, on le retrouve maintenant dans Street Fighter, enfin dans plein d'autres jeux. Peut-être bien que dans c'était Street Fighter à l'époque qu'il avait introduit, et qu'après, peut-être, hein, je sais plus, hein, en termes de temps, je sais pas si c'est le cas ou pas. Quoi qu'il en soit, en fait, ce jeu, c'est vraiment une tuerie. Le spécial, j'ai aussi une vraie affection pour le Fatal Fury Railbot 2. Soit c'est Railbot 2, hein, c'est ça. Puisqu'en fait, la version PS1, qui est dégueulasse, hein, mais qui comportait en fait une intro de FDP en animé. Un peu comme King of Fighters 99 sur Dreamcast. En fait, on avait une intro en animé, quoi. Sur Dreamcast, je parle. Hein. Et c'était pareil pour la version PS1 de Fatal Fury Reboot 2. Et l'animé était vraiment. Enfin, à l'époque, dans mes souvenirs, en étant petit comme ça. Je l'ai trouvé juste incroyable. C'était dessin animé. En fait, là où on avait des animations fixes à l'époque pour représenter les persos, là on avait vraiment une vraie présentation, une vraie intro de jeu avec dynamique, avec de voilà, avec des mecs en dessin animé quoi. C'était juste de la folie quoi. Super bien animé en plus. Ça durait pas très longtemps, mais c'était juste incroyable quoi. Donc voilà, c'était. Je sais pas quoi dire d'autre que ça, c'était vraiment incroyable. Le jeu, je l'ai acheté au Japon. Voilà, ça me rappelle en fait aussi le Japon. Soit je l'ai acheté, pourquoi ça? Ah, mais je l'ai acheté en 2016, ce jeu-là. 2016-2017, au Japon. C'était lors de mon dernier rush au Japon au niveau des jeux vidéo. Là, c'était vraiment. C'était extraordinaire en fait, on s'est régalé. J'étais avec des potes qui étaient venus aussi au Japon. On s'était régalé comme des oufs. On était vraiment en mode la chasse des jeux vidéo. Et je crois que c'est là que j'ai acheté quand même pas mal de jeux, quoi. Moins qu'en 2009, mais quand même en 2017, j'ai vraiment acheté beaucoup, mais beaucoup de jeux aussi, quoi. Que des bangers, à mes yeux, bien sûr. J'ai acheté que des bangers à mes yeux. Et c'était vraiment fantastique. C'était une très très belle année, un très très beau voyage. Et on a kiffé du bout en bout d'être assis dans les magasins. De jeux vidéo au Japon et à rechercher les différentes les coups de cœur. J'ai adoré me dire que je peux aller récupérer Snake 3 sur Mega Drive, hein. Jeu que j'ai jamais fini, hein. Mais je kiffais la pochette. J'ai kiffé la pochette. Il coûtait assez cher quand même, hein. Je trouve qu'il m'a coûté 3000 yens, hein. C'est pas donné quand même, hein. Au taux de l'époque, c'était pas donné. Et bon, là, c'est un peu, là, c'est quand même donné parce que ça fait 20 euros, on va dire, grosso modo 20 euros. Mais à l'époque, ça faisait quand même plus de 20, ça faisait à peu près 25 euros. C'était pas neutre quoi. Enfin, vous me dites 5 euros en plus. Bon, voilà. Mais c'était vraiment que des bons souvenirs quoi. Ça me rappelle des bons souvenirs. La pochette est extraordinaire. Je vais juste vous montrer la pochette Neo Geo de Real Bot. Alors, non, pas logo. Ah voilà. Attends, mais c'est celui-là? C'est No Spirit! Ah oh, putain, par hasard, c'est celui-là! Mais c'est celui-là! C'est ce site-là en fait, putain, trop cool. C'est ce site-là en fait où j'avais appris à jouer. Voilà. Voilà, vous avez le site qui expliquait concrètement. J'agrandis. Je vais encore plus agrandir. C'était ce site-là. Qui tout simplement en fait faisait un détail de ouf sur le jeu quoi. On se régalait quoi. Je retire mon Apple Watch qui n'a plus de batterie. Il faut que je change la batterie. Hein. C'est catastrophique. Tiens pas la journée. Et en fait ce site-là, c'est ce site-là qui m'avait présenté le jeu. Mais là je suis resté ébahi. J'ai fait attends mais je sais pas jouer en fait. J'ai jamais su à jouer quoi. Et du coup je me suis dit bah attends franchement je le prends. Je l'avais sur ma Game Boy, enfin ma Game Boy, ma Neo Geo, ma PSP Go, piratée bien sûr, vous connaissez, hein. Attends, on peut en parler maintenant. Elle était piratée et je m'étais d'abord essayé, j'avais testé d'abord ce que disait le site
sur l'année sur l'émulateur, et après j'ai quand j'ai pu le récupérer sur Neo Geo, bah j'ai joué et c'était ça quoi, c'était ça. Là on a tous les coups là, toutes les règles. C'était extraordinaire quoi. C'est ce là j'ai fait, mais attends, c'est pas possible, j'ai. En fait, j'avais pas joué en fait. Dash, est-ce qu'il va l'air être une. Voilà, en plus là, il parle vraiment en termes de jeu quoi. On est vraiment en train de parler du jeu quoi. On est en train de parler, voilà. Double dash, esquive arrière, machin, une très belle invulnérabilité. Voilà. Après, on n'est pas en train de parler de frame à ce moment-là. Mais voilà, on est là, quoi. Et avec ce guide stratégique. Attendez, on va regarder ça. Hein. Putain, les gars, ils avaient fait un truc de ouf. Incroyable. Incroyable. C'est ce site-là, voilà. Je parlais de ce site-là, c'est celui-là. J'étais sur le coup. J'étais sur le cul quand je suis tombé dessus. Et là, en fait, on a les techniques. Ah, mais là, c'est plus le guide des techniques. C'est pas forcément guide stratégique. C'est pas forcément guide stratégique, mais c'est ouf. Attends, je vais garder ce site dans mes favoris. Hein. J'avais complètement perdu de vue. Incroyable. Quel bonheur. Quel bonheur. Bon, voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a fait que j'ai regardé ce site-là. Alors. Ah non, c'est trop bien. Alors, tac. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça. C'est exactement ça. Non, c'est extraordinaire. Expliquer. C'est là que j'ai fait. Mais attends, c'est comme ça qu'on joue à ce jeu, en fait. Oh, j'ai fait. Oh putain, la D, quoi. J'avais rien compris. Le bouton D permet de changer de plan, etc. Après, t'as une technique. Si tu veux, le mec qui faisait le malin à changer le plan, tu pouvais aussi l'éteindre. En faisant un coup qui venait annuler son. Enfin, qui venait l'atteindre. Bon, bref. Je vais pas m'étendre plus que ça sur ce jeu-là. C'était vraiment. C'était juste pour dire qu'en fait, à partir d'un site, j'avais compris comment on jouait à Fatal Fury. Et j'étais un peu embêté parce que c'est. Voilà quoi. Ça fait. C'est ouf quoi. Non, super. Non, super. Donc voilà, c'était tout pour moi pour ce Fatal Fury Real Boot qui ramène des très bons souvenirs du Japon, de ces sites-là que j'ai retrouvé. Je suis en kiff là. Et là, j'avoue que j'ai envie de. Je sais pas s'il est sur PS4 ce jeu, mais je vais peut-être le racheter ou un truc comme ça pour y rejouer quoi. Parce que franchement, il est vraiment super. Et là, ma Neo Geo, elle est pas. Je peux pas la brancher sur la télé, hein. À part si j'ai un truc qui permet de brancher câble Peritel pour machin. Il faudrait chercher pour voir. Ça coûte encore une blinde, ça. Mais voilà. C'était Real Boot Special. Real Boot 1 sur Neo Geo. Next. On va passer au suivant. Alors. Wow. Killzone 2. Killzone 2 sur PS3. Alors, Killzone 2 sur PS3, en fait, c'est fut quand même. Jusqu'à maintenant, je pense c'est quand même une sacrée claque. J'y ai joué en fait sur. J'ai joué récemment sur le PlayStation Now. C'était le service de jeu en. Qu'on appelle ça de jeu en dans cloud, c'est le cloud gaming de Sony. Et en fait, ce jeu-là me rappelle en fait l'époque où il y avait d'une part tout simplement la propagande que Sony avait fait lors du reveal de la console. Sony avait tout simplement fait une petite. Ah, je vais replacer ça comme ça quand même. Attendez, hop là, voilà, il est où? Comme ça, au bord, voilà. En fait, Sony avait fait un reveal de la PS3. Et dans ce reveal-là, ils avaient profité en fait pour simplement en fait parler de Killzone. Ils avaient fait ils avaient fait un trailer à l'E3 que tout le monde avait dit était chiqué. On va le regarder. Vous allez comprendre.
Alors, à l'époque, tout ça, les gens disaient que c'était pas possible, c'est chiqué. Bah, je crois qu'à l'époque, je crois que Guerrilla Games, qui ont fait, qui est derrière ce jeu-là, qui avait déjà fait du buzz sur, avec le 1 sur PlayStation 2, parce qu'en fait, le 1 était déjà. À l'époque, les gens voyaient ça comme une espèce de prouesse technique, ce jeu-là. Et en fait, celui-là, cette démo-là n'est pas en 3D, en fait. Hein. Je crois pas que c'est en 3D, mais c'est plus parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps. Ils devaient présenter un truc, et ils avaient présenté ça. Et du coup, en fait, à l'époque, tout le monde mettait en doute en fait, les capacités de la PS3 d'atteindre ce type de graphisme. Et force est de constater que le jeu, quand il est sorti, était quand même plus beau que ça, quoi. Ah ouais, même la physique, etc. Je crois qu'on va peut-être regarder Killzone. Il y avait Digital Foundry. Ah putain, il y a 4 ans, ils avaient fait un truc, une analyse de jeu. 10 ans après, quoi. C'est pas intéressant parce qu'en fait, c'est intéressant de le regarder, mais genre, non, c'est un très bon truc. Mais ce que je veux plutôt vous montrer. Voilà, on va regarder plutôt comme ça. Je sais pas si c'est. Ah putain, c'est émulé. Bon, c'est chiant, c'est émulé. Tant pis. Parce que le jeu, quand même, restait. J'y ai joué il y a pas longtemps. Le jeu reste quand même. Bien sûr, en termes de résolution, le jeu est un peu daté, bien sûr. Mais ce dernier reste quand même assez ouf, quoi. Et en fait, ce jeu-là, quand il est sorti enfin sur PS3, moi je l'avais acheté Day One sur PS3. Ah, mais quelle claque! Ils avaient mis une espèce de body awareness, comme ils disent ça, c'est qu'en fait, plutôt que de jouer, quand vous jouez dans à Call of Duty, oula, quand on jouait à certains jeux, à certains FPS à l'époque, en fait, on avait l'arme, mais on n'avait pas la sensation d'être dans un corps, en fait. Le gars, il courait. Sans vraiment de physique, on va dire, il n'y avait pas vraiment de physique, il y avait peut-être une petite simulation de caméra, machin, mais on n'avait pas le sentiment que le gars il avait une latence en termes de corps, etc. Et c'est ce qu'ils ont implémenté dans ce jeu-là. D'ailleurs, après, je pense que dans le même temps, quand on joue à Call of Duty et autres, maintenant on a un peu ce body awareness en fait, cette petite latence, on a ce côté un peu lourd en fait, on l'a un peu maintenant enfin, depuis un moment maintenant, mais on l'a maintenant dans pas mal de jeux. Mais ce jeu-là était fantastique parce qu'il était magnifique. Ce qui me désolait un peu par rapport à ce jeu-là, outre sa plastique, ce qui m'avait déçu, c'est qu'en fait, j'avais le sentiment qu'ils auraient pu faire mieux. Puisque l'univers qui est proposé est quand même vachement cool. Les soldats, etc. C'est comme dans un manga là, qui est assez connu là, avec les yeux rouges, etc. C'est superbe. Par contre, la proposition en termes d'aventure. On était plus sur du Call of Duty. C'est-à-dire qu'en fait, on enchaînait les missions. On enchaînait les missions. Et d'ailleurs, Call of Duty, qui avait fait un carton avec le Modern Warfare et ses suites. Et en fait, la proposition de ce jeu-là n'était pas de proposer un mode solo en mode, je dirais, Half-Life, de se marquer dans un espèce de monde d'aventure avec une vraie imbrication, etc. On était. Sur des enchaînements de. J'étais un peu déçu, on était sur des enchaînements de missions, d'événements, ben qui nous amenaient comme. En fait, c'était un solo assez classique par rapport au déroulement assez classique par rapport à ce que j'aurais imaginé, à ce que j'aurais aimé qu'il fasse. J'aurais kiffé qu'il prenne cet univers-là et qu'il nous emmène à la Half-Life, quoi, qu'il nous emmène loin, quoi, qu'il nous emmène dans une aventure avec des embranchements, du puzzle game, etc. Là, on était vraiment sur un truc très basique, très. Enfin, basique, sans vraiment de surprise en fait. Après, mis à part ça, c'était très très plaisant à jouer. Le multijoueur, je l'ai rincé, le multi de ce jeu-là, je l'ai rincé comme je pouvais. Et vraiment excellent. Que des bons souvenirs. C'est vraiment un de mes jeux préférés sur la PS3. Un de mes jeux préférés.
En sachant que sur PS3, il y a eu des bangers incroyables. Uncharted 2, Uncharted 1, The Last of Us, bien sûr. GTA 3, GTA 5, GTA 4, Metal Gear 5. Pas la Metal Gear 5 qui était pour moi. 4, pardon. Metal Gear 4 qui était pour moi le the very best of the best of. Je me disais, mais ils vont pas faire mieux. C'était pas possible. J'en ai déjà parlé dans un précédent Chef and Talk. Et je me disais que c'était pas possible. Et je me suis régalé, moi personnellement, je me suis régalé sur MGS4. C'était vraiment le jeu où tu dis, ouais, ok, il a tout mis. Ok, il n'y aura pas de suite, normalement. Il a vraiment tout mis. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tout est fait au max. Donc voilà quoi, il n'y a pas de problème. Non, c'est vraiment des très très beaux souvenirs. L'univers quand même est vraiment superbe. Mais encore une fois, ce qui me désolait avec ce jeu-là, c'est qu'en termes de proposition, le mode solo était très basique, c'est ça en fait. Il était sans surprise, très basique. Et c'était vraiment dommage parce qu'ils auraient pu faire mieux, il y avait mieux à faire. Et ils ont préféré tout simplement faire un truc à la Call of Duty quoi. C'était vraiment dommage parce que l'univers se prête à quelque chose de mieux, à des énigmes, à des trucs, voilà, à une dimension qui nous emmène un peu plus. Mais n'empêche que le jeu fut une claque incroyable. Et le 3, c'était vraiment l'apogée. Et le 4 qui est sorti sur PS4, je crois, Day One, était techniquement magnifique. Mais le solo allait dans ce que je voulais moi. Mais c'était éclaté au sol, malheureusement. Ah voilà, c'est ça. J'ai acheté j'ai acheté la version. Ça s'appelait pas 4, hein, ça s'appelait pas le 4. Mais ça s'appelait. J'ai oublié Red quelque chose là. J'ai oublié comment ça s'appelait la version sur PS4, sortie Day One. Et c'était peut-être le. Voilà, le projet de trop. Qui a été fait en fait peut-être sans inspiration, entre guillemets, mais qui techniquement qui était vraiment très solide. Après bon les gars ils ont sorti Horizon et là la régalade quoi pour eux Horizon c'est fut une des licences une nouvelle licence quand même sur PS4 qui a cartonné de malade quoi et techniquement c'est fantastique voilà c'était tout pour Killzone 2 j'admire en fait aussi parce que c'est aussi magnifique ça reste quand même j'adore la palette de couleurs dans le jeu que des bons souvenirs. Voilà, c'était tout pour Killzone 2. Ça a été rapide. Killzone 2, c'est terminé. On va passer au prochain, tranquillou. Hein? Peut-être on s'en fait encore un ou deux. Allez, on s'en fait deux. Et après, on se cassos. Allez, c'est parti. Le deuxième. L'avant-dernier. C'est parti. J'ai dit bye bye à Killzone 2. Je fais en sorte d'avoir. Je l'avais répété, mais. Il y a une V2 qui se prépare de ce. Bah, il y a une V2 qui se prépare pour Shuffle and Talk. On va essayer d'élargir tout ça. Ça va être très sympa. Peut-être on fera peut-être une vidéo seul tout pour en parler. En fait, on va élargir le thème parce qu'en fait, Shuffle and Talk, on peut très bien. On peut vraiment parler de tout en fait. On n'est pas seulement obligé de se contenter de jeux vidéo. Le jeu vidéo fait partie de la pop culture, fait partie de cet élément de la pop culture. J'aime pas ce mot, mais c'est le mot qui qualifie un peu là où on est. Et du coup, en fait, on pourrait parler de vraiment tout, quoi, en fait, hein. De bouquins, enfin, tout ce qui est lié à la pop culture, et tout simplement. Et de la même manière que le jeu vidéo, on peut avoir des souvenirs, des anecdotes, etc., fantastiques sur ces différents éléments. Donc, je pense qu'on va élargir comme ça. Voilà, je vous ai dit un peu ce dont je pensais pour l'orientation de Chef and Talk. Mais pour l'instant, on va continuer à parler de jeux vidéo et après on va élargir. On continuera à parler de jeux vidéo, mais on parlera aussi d'autres choses, tout simplement. J'ai plein d'idées. Allez, c'est parti. Alors voilà, un petit jeu de niche. Shibuya 428, Shibuya Scramble. Alors, Shibuya Scramble, c'est un jeu sorti sur Alapak, à l'époque sorti sur Wii. En fait, c'est un visual novel. Alors, 428, donc, voilà, 428, Shibuya Scramble. Et il est sorti aussi sur Wii et sur PS4. Il a été annoncé il y a 5 ans, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps.
Putain, il a... Ah ouais, quand même, ils ont fait tout le jeu. Je suis bloqué moi dans le jeu, moi. Je suis bloqué comme une merde. Alors, le jeu, en fait, c'est un jeu qui est vraiment pas mal. Hein. Puisqu'en fait, ce jeu-là, c'est un visual novel. Hein. C'est, le jeu ne demande pas, comment dire, de réflexes, de timing, etc. C'est qu'en fait, on va tout simplement faire des choix. Il y a une histoire qui se déroule, on a des choix, et en fait, tous ces choix en fait, créent des embranchements où soit tu as la mauvaise fin, parce qu'en fait, finalement, il y a un fail, c'est un game over, et du coup, tu peux revenir dans la timeline, rejouer la scène, rejouer l'événement et choisir autre part, et après, ainsi de suite, etc. Et des fois, tu as des événements qui vont te permettre en fait, qui vont te permettre d'aller basculer sur d'autres persos, parce qu'en fait, au début du jeu, tu as. Je sais pas, t'as plusieurs persos quoi. Attends, si le jeu tourne, je vais regarder. Je vais essayer de pas trop. Je vais essayer. Grosso modo, il y a eu un attentat avec un mec qui s'est fait enlever et il y a une bombe qui explose. Vous commencez par, en fait, tout simplement, par cette meuf-là qui, dont sa sœur se fait kidnapper. Et vous êtes d'abord avec un flic qui est là. C'est Mister là. Avec son. Et avec son collègue, son coéquipier qui est aussi là. Ah ouais. Ah putain, excellent. Alors donc, je vais simplement. Et en fait, le jeu est seulement en anglais. Et en fait, le jeu, franchement, il est vraiment très sympa en fait. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a tout simplement plusieurs embranchements. Et les différents persos sont assez attachants. Et après, ce que j'aime bien, c'est aussi l'ambiance. Ça me rappelle l'ambiance du Japon de 2008. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de smartphone. Il y avait des téléphones comment on appelle ça, des flip-flap là, je sais pas quoi là, téléphone qui sert comme ça là, et je sais plus comment ça, je sais plus comment on appelle ça là, des flip-flap phone, flip, je sais plus comment on appelle ça, et ça m'a fait une bonne ambiance quoi du Japon à ce moment-là, mais moi j'ai pas joué sur Wii, qui est sorti, je crois que c'était sorti en 2008, un truc comme ça, je sorti en, ouais, c'est ça, 2008, j'ai joué plutôt sur PS4. L'année dernière, tout simplement, pendant le confinement, je connaissais le jeu, je l'avais mis de côté, et là il était en réduction sur le store PSN. Sauf qu'en fait, moi, ce que je fais souvent, en fait, c'est que les jeux, je les mets en favori, je les achète pas, je les mets en favori, et dès lors qu'ils baissent, le PSN me prévient qu'il y a eu des baisses sur plusieurs articles, et là, le jeu était vraiment il était à 20 euros, je crois, il était vraiment à un prix. Très très bas et je l'ai pris direct et puis voilà hein. C'est comme ça que ça se passe et non le jeu est vraiment très sympa ça fait partie de ces visual novels en fait de niche hein. C'est si vous parlez si vous comprenez anglais si vous aimez bien l'univers du Japon et si vous avez soif de découvrir des visual novels hein. Voilà c'est un jeu qui est très costaud en fait malgré tout parce que en fait il y a vraiment énormément de fins différentes. Hein. Il y a énormément de fins. Le finir à 100%, c'est pas une masse à faire. D'ailleurs, on a toutes ces vidéos-là qui le montrent. Mais moi, j'ai envie de putain de. J'ai trop envie de moi de me le faire, quoi. Je suis bloqué sur un truc à la con, là. Et j'ai limite envie de regarder des solutions pour là, comme là. Et tout simplement continuer parce que là, je suis vraiment bloqué. Je sais plus comment faire pour avancer. Parce qu'en fait, chaque perso a avancé dans leur timeline et je sais pas par quel moyen je dois en fait faire en sorte de faire avancer mon game. Je sais pas du tout. Donc là, je suis bloqué et voilà quoi. Mais c'est un petit plaisir. J'ai quand même beaucoup joué. Je dois être une bonne dizaine d'heures sur ce jeu-là. Très très bon, très sympa, qui rappelle du bon Japon. Et puis voilà. C'est un jeu. C'est un jeu, on va dire, aux caractéristiques en fait un peu hors du commun. Ça se la joue vraiment à l'économie. On est sur des photos. On est sur quand même pas mal des photos qui sont prises. Et après, c'est du texte.
Et après, voilà, ils ont pris leur faiblesse, ils connaissent leur faiblesse, ils connaissent leur grande force, et ils ont construit un système avec plein plein d'embranchements, plein de trucs, et du coup, on a un jeu vraiment très costaud en fait, hein, avec vraiment un truc, avec vraiment des histoires vraiment très intenses, et du coup, les histoires des persos se croisent. Parce que des fois, tu peux croiser tel ou tel protagoniste, même s'ils ne se parlent pas, ou ils se croisent, ils se parlent un peu, et du coup, tu vois, tu as des... c'est vraiment très sympa comme jeu. Franchement, je ne peux que le conseiller. Donc, pour ceux qui sont curieux, 428 Shibuya Scramble, let's go. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce jeu-là. On va passer au dernier jeu. Ah, quelle claque ce jeu. Putain, quelle claque ce site-là. Non, mais non, quoi. Je reviens dessus, je m'en fous, moi. C'est celui-là, quoi. Il expliquait comment faire. Alors. Oh là là, je kiffe. Non, c'est trop bien. Attention, si tu fais deux fois ça, ça fait un dash vers l'avant. Tac, tac, tac. Hein. Il explique. Bref, ah non, c'est trop bien. Il y a des couilles qui peuvent être fins, tu sais. Oh, c'est trop bien. Non, je dis le truc, c'est trop bien. Le 15. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, je sais même pas. C'est trop bien. Ils ont fait un petit clin d'œil là sans avoir le. Non, c'est bien. Bref. Ah non, c'est trop bien. Là là là. La boîte de... Je sais pas pourquoi j'ai fait un focus dessus, c'est incroyable. Bref, allez, dernier jeu. J'adore. J'adore le style de Mogassure là, pour les dessins là, réalistes comme ça, j'adore. C'est vraiment la classe. Alors, j'ai fait un talk. Où est-il? Pam pam pam. Tan tan tac. Alors, je te fais une toque. Non, c'est pas ça. Non. Voilà. Alors. Dernier jeu. Il n'y aura pas de mystère. Motor Storm sur PS3. Alors. Alors c'est rapide, hein. Pareil que pour. J'ai rejoué il n'y a pas longtemps, parce que j'ai toujours ma PS3, qui est toujours en vie. Et j'ai branché ma PS3 à ma TV, il y a 2 ans de ça. Et j'ai fait quelques parties de MotorStorm. Je crois que le modeling était coupé, je crois. En fait, le jeu, quand il est sorti sur PS3, ça semblait. Je vais mettre MotorStorm. Trailer, c'était le bon vieux temps où en fait la Nintendo, Nintendo, Sony, ils voulaient ce studio qui a été fermé par Sony. Ils avaient fait Drive Club qui était juste ouf et voilà, on avait cette démo là qui semblait montrer le jeu quoi. Mais c'était pas vraiment le jeu en fait, hein. C'était plus une vision de ce que devait être le jeu.
Et à l'époque, en fait, Sony ne disait pas. En fait, tout le monde pensait que c'était vraiment le jeu en 3D, etc. Ou en, tu sais, c'était. Même jusqu'à maintenant, ça reste quand même, putain, quand même assez joli, hein. Bon, je pense que. Voilà, là, c'était censé être le jeu. On sait pas trop, en fait. C'est les aimants qui se détachent, machin. Ça semblait être ouf, en fait, à l'époque. Ça semblait tout. Et en fait, le jeu est sorti finalement. Ça se rapprochait pas mal de ça, sans l'être, malheureusement. Quand même, sans l'être, ouais. Sans l'être, sans l'être, sans l'être. Et en fait, le jeu, malgré tout, bah voilà, là on a le jeu, on a le trailer et là on a le jeu. En fait, ce qui était bien dans le jeu, c'est qu'en fait, on avait vraiment beaucoup de moyens. Pour aller en fait tout simplement finir un stage. On avait au plus ce moteur physique là de lorsqu'il y avait un peu comme Burnout et tout comme ça, le Burnout ou d'autres jeux comme ça où lorsque tu faisais une collision, tu avais ce moteur de collision, cette espèce d'explosion ralentie qui était vraiment à la mode à un moment donné, à ce moment-là. Et ce fameux boost là avec qui était limité, et si tu en abusais, ton moteur chauffait et tu pouvais exploser. Et du coup, voilà, perdre du temps, tout simplement. Et en fait, tu avais différents véhicules, tu avais voiture, moto, camion, etc. Et en fonction des surfaces, tu étais plus ou moins en fait efficace. Et malgré tout, je me rappelle que la version PS3, la version PS3 qui est sortie en Europe, était pourvue du jeu en ligne. Contrairement à la version US et japonaise, qui n'avait pas de mode en ligne. Et après, je pense qu'ils ont eu un patch, je crois, après, plus tard. Mais nous, en fait, on avait, vu que le jeu était sorti quand même plus tard, bah, ils ont eu le temps de mettre un mode only quand même. C'était quand même le minimum, quoi. On va dire. Et bah, écoutez, je me suis régalé sur ce jeu et je le trouvais vraiment très joli, en fait. Hein. Il était vachement technique. Hein. J'avais des potes sur Gamekult, parce que j'étais sur le forum Gamekult à ce moment-là, qui jouaient à ce jeu-là et qui étaient vachement bons. Et qui me terrassait quoi, c'est-à-dire que les mecs sur les on partait avec les mêmes véhicules et les mecs ils allaient 4 fois plus rapide que moi. Très joli, très fun, très très bonne musique. La version le dernier jeu Motor Storm, c'était le Apocalypse qui était fantastique. C'est vraiment une tuerie quoi. J'ai joué pas mal de fois sur l'offre PlayStation Plus via le cloud, le PlayStation Now en cloud. Et le jeu est vraiment très très bien en fait. Hein. Il reste jusqu'à maintenant en fait, le jeu reste très sympa. Et j'avoue que je kifferais qu'il y ait un putain de remake de ce genre de jeu quoi. Un remake ou une compilation ou je sais pas quoi. Parce que honnêtement, ces jeux-là étaient vraiment fantastiques hein, de la part d'Evolution. Et en fait, malheureusement, des fois il y a des jeux qui restent bloqués sur des plateformes. Que ce soit sur Nintendo ou Xbox et autres, et il n'y a pas moyen de fois de pouvoir y rejouer sur des équipements récents, si ce n'est en fait tout simplement faire de la passer par l'émulation. Et l'émulation répond à ça en fait, à la préservation du jeu vidéo. Et du coup en fait il y a des jeux qui sont plus licenciés parce que c'est une histoire de licence, une histoire de coût, je sais pas quoi. Et des fois des très très bons jeux qui restent bloqués sur des plateformes quasiment à vie quoi. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, le remake PSP de Tactics Ogre, ben, il était resté sur PSP pendant quasiment plus de 13 ans, 14 ans, quoi. FF Tactics n'est apparu que sur smartphone, par exemple. La version PSP n'est apparue que sur smartphone. Et resté sur smartphone, il n'y a pas de version console d'FF Tactics version PSP. Ça soit la version PSP. Soit la version ou la PS1, et la PSP était mieux, ou soit la version sur iOS et Android, c'est tout. Voilà. Non, mais vraiment, c'est dommage des fois. Mais le jeu reste quand même super propre, hein, regardez-moi ça. Franchement, les effets de boue là, etc., c'était vraiment. Et en fait, le plus, le gameplay était vraiment changeant en fonction de la surface et du véhicule que tu avais, quoi. Si tu avais un camtar ou un buggy ou un truc comme ça, c'était beaucoup plus facile de se mouvoir dans ce truc-là. Et quand tu avais une voiture de merde ou ou tu étais tout simplement en moto, là c'était bourbier quoi. Et le jeu proposait quand même pas mal d'embranchements, pas mal
de moyens en fait d'arriver en fait au but. Et c'était vraiment génial quoi. Bah après quand tu connais la route efficace pour arriver à la fin, bah là t'es, c'est banger quoi. Donc voilà, c'était les jeux que je vais vous montrer. On a passé à peu près 50 minutes à en parler. Une heure, ah, non, une heure à en parler. C'est cool, hein. Je pouvais pas faire plus en étant tout seul sur ça. Putain, le jeu est vraiment fantastique, hein. Franchement. Ah, quand même, le jeu est quand même fantastique. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream. J'espère que ça a été. Ali fera le boulot pour en termes de enfin le boulot en termes de replay ou d'autres découpages s'il y a besoin de faire des découpages. Encore une fois, merci à tous d'avoir été présents pour ce petit stream en fait en solo. Pour ma part, il fallait tenir la cadence. Je me suis imposé. J'aurais pu très bien pu finalement. Bah, Janice Arras, je stream pas, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort. Mais j'aime bien en fait, un peu comme le sport, un peu comme d'autres trucs comme ça, tenir certaines disciplines. Parce que aussi, ça fait du bien en fait. Là, Ali pouvait vraiment pas parce qu'il a le taf, c'est voilà, il peut pas streamer pendant qu'il a le taf, ça c'est sûr. Mais là, voilà, on est là aussi pour supplier en fait aux personnes qui sont pas là, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, c'est que du plaisir. Je me fais plaisir moi à vous montrer certains jeux comme celui-ci, comme Fatal Fury Real Bot dont je viens enfin de retrouver le putain de site qui montrait comment y jouer. Ça fait extrêmement plaisir parce que le site est vraiment très sympa. Parler des jeux de Treasure comme Signal Punishment, c'est un plaisir incroyable. Mais c'est vrai que le principe quand même est toujours plus fun quand il y a du monde qui vient un peu se tacler les dents là, quand on vient tacler un peu les gens. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, sur ce, je vais vous laisser en musique japonaise. Bah oui, on va mettre un peu de japonais. Bah oui, musique japonaise, comme d'habitude, vous connaissez. Hein. Toujours, hein. Musique japonaise. On va se faire plaisir. Alors, je vous demande un petit instant. Pam, 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 pam. Alors, je vais mettre quoi comme musique japonaise là? Alors, je vais mettre comme d'habitude. Ah, je vais mettre des... arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. Niji. C'est bien Niji, c'est bien Niji. Niji, pardon, c'est pas Niji, c'est Niji. Ah. On finit sur ça? Allez. Et tout simplement incroyable. Voilà. Hyde, c'est le boss. À ce niveau-là, on va se terminer en mode J-pop années 80. Pff, putain, J-pop. Pop 80. Japonaise, toujours, hein. C'est les meilleures phases. Et je vais mettre tout simplement du Stay With Me. Encore merci encore à tous d'avoir resté jusqu'au bout. Allez, on se capte. Salut. Allez.